Bonjour coach, alors match pas évident j'avoue, on a commencé cette première mi-temps difficilement j'ai trouvé, on n'a pas tout de suite eu le ballon, pour vous comment ça a été ce début de match? C'était compliqué mais bon on s'y attendait, elles jouaient leur va-tout donc elles ont tout donné et puis nous on était un petit peu parfois un petit peu absentes, beaucoup de pression, beaucoup d'émotions aussi dans ce match et puis voilà, on n'était pas présents, on a loupé un rendez-vous, heureusement on est encore devant et c'est ce qu'il faut retenir de ce match. À la mi-temps, pourtant, on revient avec de meilleures envies. On a trouvé une équipe qui essayait, qui allait de l'avant. Mais pourtant, encore une fois, on a trouvé un peu un Servette, peut-être un peu fébrile au milieu de terrain. Est-ce que c'est la même analyse pour vous? Non, je pense pas que c'était au milieu du terrain la problématique, c'était plutôt derrière. On était un petit peu trop bas, on n'accompagnait pas suffisamment le bloc, donc automatiquement derrière on prenait des transitions un petit peu difficiles. Et puis on est bien rentré en deuxième mi-temps, on a quelques occasions, on aurait dû marquer pour pouvoir être à l'aise. Puis après ça nous a mis dans le doute avec ce but qu'on leur offre. Puis après c'est toujours compliqué, c'est une belle équipe, donc à la fin c'est une défaite pour nous. Ouais, ce but que du coup on leur offre, on se demandait si peut-être il aurait fallu quoi, c'était quoi? C'était peut-être les Juricoises qui avaient plus d'envie en attaque, c'était nous défensivement qu'on avait de la peine. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Moi je pense que c'est un manque de communication sur ce but. Puis on fait une erreur, on la paye cash parce que les autres elles sont à l'affût. Nous on n'arrive pas forcément tout le temps à avoir ce même état d'esprit devant, mais c'est le foot, ça relance un peu le championnat, tant mieux pour le suspense. On a prochainement un match contre de nouveau Zurich en coupe. Je pense qu'il y aura un esprit de revanche. S'il n'y a pas d'esprit de revanche, ce serait grave. Mais oui, on veut se qualifier, on va aller au bout en coupe, on va aller au bout en championnat. On est toujours devant en championnat, on est toujours qualifié en coupe, donc il faut y croire jusqu'au bout. Et puis on a l'équipe pour maintenant, il faut simplement être un peu plus agressif. Super coach, merci. Salut Maeva. Ce match, pas évident. On a débuté d'une façon un peu difficile, on a trouvé. J'aimerais savoir votre ressenti par rapport au début de match. Début de match compliqué, c'est sûr. J'ai l'impression qu'on n'était pas dedans. Peut-être un peu de crainte, un match capital comme ça. Donc on a pas mal subi. C'est vrai qu'on a mal commencé le match, alors que ces derniers matchs, on avait l'habitude plutôt de bien commencer. Mais enfin, c'est des jours comme ça. Il faut se dire que la prochaine fois, on fera mieux. Ouais, un match capital, comme vous disiez. Elles reviennent quand même à 5 points, alors qu'on aurait pu les mettre à 11 points. Est-ce que vous pensez qu'on peut garder cette distance? Oui, bien sûr. Après, c'est le foot. On sait que ça peut vite tourner d'un côté comme de l'autre. Aujourd'hui, ça a tourné en faveur de Zurich. Maintenant, on reste à 5 points devant. Donc, on a les cartes en main. À nous de gagner les prochains matchs. Elles doivent aussi pas perdre de points. Donc, en soi, c'est quand même nous qui avons les cartes en main. Donc, on va rien lâcher. On a vu qu'en attaque, c'était pas facile aujourd'hui. Vous manquiez peut-être de ballon. On vous trouvait peut-être moins. Vous avez dû beaucoup redescendre pour toucher du ballon. Est-ce que c'est aussi votre ressenti? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était plus difficile de trouver les attaquantes. Mais voilà, Zurich a joué à 4 derrière au lieu de 3. Donc je pense que c'est ce qui nous a un peu posé difficulté. Mais on va travailler pour justement passer ce cap et justement trouver les meilleures solutions pour atteindre les attaquantes. Oui, et vous allez les jouer prochainement de nouveau en coupe. Est-ce que vous avez la rage pour gagner ce match cette fois-ci? Là c'est sûr. C'est sûr que là on a perdu en championnat. La semaine prochaine ça nous a piqué dans notre orgueil et on va vouloir gagner absolument ce match et les éliminer de la coupe, ça c'est clair. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.